la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Actes 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Dans Actes 1, verset 8, Jésus promet que le Saint-Esprit viendra sur nous afin de nous donner la puissance, la capacité, l'efficacité, le courage d'être les témoins de Christ jusqu'au bout de la terre. De nombreux chrétiens suivent toutes sortes de règles, mais se demandent « Est-ce là tout ce qu'il y a ?» Lorsque j'étais jeune convertie, j'ai connu ce même vide intérieur. Faire des choses qui sont justes apporte une satisfaction temporaire, mais non une joie profonde et substantielle. Je me suis donc écriée « Seigneur, il me manque quelque chose !» À ma grande surprise, j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible et j'ai su qu'il s'apprêtait à faire quelque chose dans ma vie. Quelques heures plus tard seulement, Jésus m'a rempli de la présence du Saint-Esprit, d'une façon que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et tout a changé. J'ai senti sa puissance dans ma vie d'une manière complètement nouvelle. Lorsque vous passez chaque jour du temps avec Dieu et que vous recevez son Saint-Esprit, vous ne vous lancez pas dans une expérience effrayante et étrange. Vous recevez simplement sa puissance pour ressembler davantage à Jésus et à sa sagesse pour traverser les événements ordinaires de la vie. N'ayez pas peur des choses nouvelles. Assurez-vous simplement qu'elles soient conformes à la Bible. Je crois que Dieu désire vous emmener sur de nouvelles hauteurs avec lui, par la puissance d'une relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Il frappe à la porte de votre cœur. Allez-vous l'ouvrir grand pour l'accueillir? Prions ensemble. Mon Dieu, je veux être un chrétien rempli de la puissance de ton Saint-Esprit. Montre-moi comment vivre dans cette joie profonde qui vient de ton Saint-Esprit. Je te remercie pour la puissance et la sagesse que tu me donnes pour traverser chaque jour et chaque situation. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt !